What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide mais qui je pense va vous plaire. On a eu l'idée de créer un clan communautaire pour Destiny 2. Alors déjà je m'explique, vous savez sur Destiny 2 le système de clan va complètement évoluer. On va pouvoir déjà d'une part gérer les clans in-game, donc ça c'est plutôt pas mal. Ajouter des personnes directement via les consoles, c'est plus rapide que de passer via PC comme pour Destiny 1. Et deuxièmement, désormais votre clan va avoir un niveau. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle également, les clans ne vont plus servir à rien. Et il faut savoir que les clans vont aussi servir à avoir des récompenses. Alors on sait pas trop encore comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y aura un niveau maximum ou pas? On ne sait pas. Est-ce que les clans vont fonctionner peut-être comme des factions et on va gagner des récompenses à chaque fois qu'on passe un rang? Ça je ne sais pas du tout non plus. Toujours est-il que ce que je vous propose moi, c'est de rejoindre le clan communautaire qu'on a créé, pour déjà qu'on soit vraiment nombreux, et d'autre part si vraiment on peut XP plus rapidement, ça nous fera qu'on pourra récupérer donc des récompenses beaucoup plus rapidement également, donc sur Destiny 2 via ce système de clan. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette idée, si vous la trouvez intéressante ou pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà un clan, je comprends tout à fait, vous avez vos amis pour jouer etc, mais je pense également qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de clan, qui sont assez seuls sur Destiny, et du coup ça vous permettra d'avoir un clan pour Destiny 2. Vous pouvez déjà le rejoindre, actuellement il y a déjà 43 membres dans le clan. Ça vous permettra également de trouver des joueurs pour faire vos raids pour cette fin de Destiny ou pour faire du PVP ou peu importe. En tout cas voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette idée. Donc ce clan on l'a appelé ZF Community, voilà je trouvais que c'était mieux quand même en anglais, ça sonne mieux que communauté. En tag de clan on a mis Army, donc voilà vous le voyez en haut. Et du coup j'ai juste mis un petit énoncé, donc bienvenue dans ce clan communautaire. On prépare ce clan pour vous à l'occasion de Destiny 2 puisque les clans auront désormais des rangs. Ça sera donc l'occasion pour vous de passer ceci et de cumuler des récompenses. On ne sait pas si les clans resteront cross-plateforme. Évidemment, ça j'en ai parlé puisqu'il y en a qui vont me dire oui le clan peut-être que comme on va les gérer par console ils seront différents. Faut savoir qu'aujourd'hui un clan est cross-plateforme, c'est-à-dire que dans le clan là, que vous soyez sur PS4 ou Xbox One, vous pouvez le rejoindre. Mais peut-être que sur Destiny 2, les clans seront dissociés. À ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on recréera des comptes sur les différentes plateformes et qu'on demandera à l'un de vous, voilà, un abonné en qui on peut avoir confiance, de gérer ces clans-là sur les différentes plateformes. Parce qu'on sait jamais, hein, il peut y avoir des gens aussi qui insultent, etc. Évidemment, il faudra les bannir, hein, les gars, on va pas laisser les gens insulter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit par la suite, on vous demande juste de rester respectueux envers les autres. On est sur un jeu, on aime tous le même jeu, c'est Destiny. On va pas aller foutre le bordel. Je sais qu'il y en a tout le temps qui foutent un peu le bordel à droite à gauche. S'il vous plaît, évitez un petit peu de foutre le bordel. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée. Je pense que franchement, c'est plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas de clan pour le moment. Et puis au moins, pour le début de Destiny 2, voilà, vous aurez un clan qui vous permettra de passer des niveaux, etc. Puis d'obtenir des récompenses. On ne sait pas encore comment vont être ces récompenses, sous quel système ça va se passer. Mais en tout cas, je pense que ça peut être assez intéressant de rejoindre un clan avec pas mal de membres à l'intérieur. Donc pour l'instant, vous voyez, je vous l'ai dit, 43 membres du clan. Dans le groupe, il y a 73 membres. Je vous mets deux liens en description. Donc il y aura tout d'abord le lien du groupe. Il faut tout d'abord rejoindre le groupe. Et ensuite, il y a le lien du clan. Et à ce moment-là, une fois que vous avez rejoint le groupe, vous pouvez rejoindre le clan directement. Voilà. J'espère que cette idée vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !